Zouami Ebele, Nanzela ya DRC Télévision, Boali Kolanda, le communicateur de la République, Jeff Badibanga, Oyo, Ayelibino Lissousou, Sima, Yako dénoncé, Babouzo, Bayebele, Tomoni, Nambo Kanabiso, Bateau Bali Kwantouré, le chef de l'État, on l'a dit, Moukolo Yalobi, vous avez compris que même l'actualité sécuritaire, Otoyela Kibino Lobi, Tolobela Kiangote, parce que nous étions contraints à dire la vérité. Toloba ki biso to ali koloba kaka bosolo pe bosolo ekotikala kaka bosolo. Le même personne que j'ai condamné hier, le même personne a ebisa ki bino ke basali Moussalana Mobutu, basalina Laurent Désiré Kabila, basalina Joseph Kabila, lelo baza aux alentours de Tshisekedi du gouvernement yango yoto kende 5 mois, gouvernement ezali kobimate, bureau définitif ya Assemblée nationale ezali kobimate, lelo na tongwa nous apprenons que Mboso a eu 91 millions de dollars. Je répète le montant, 91 millions de dollars pour assombrer une trentaine de bus pour naba agent ya Assemblée nationale. Imaginez 91 millions de dollars pour na bus ya 30 places. Na minute les ali ko yinde la yi. Ba député pe ba côté si motion na bango ba lobi mboso il faut akende. Abimisi mbalamo pour calendrier. Il y a élection ya bureau définitif. Mes chers compatriotes, singa ezana kingo na bango. Webi okoki koyiba du lundi au samedi, mais jour moko kaka ba okangayo. Jour moko kaka ba okangayo. Regardez comment ces gens qui s'emparent de la République. C'est comme si la République est devenue un héritage de la famille. C'est comme si la République est comme yelo kona bango. Yaza député national, premier suppléant moi Sinaye, deuxième suppléant moi Nanaye Aliboso. Ce qui a été postulé dans le Sénat, Yemoko sénateur, premier suppléant naïe, moi naïe, deuxième suppléant Likangu naïe, et la République est prise en otage. J'avais interpellé les dignitaires de l'UDPS. Je leur avais dit, est-ce que le 37 ans de lutte tout ça là na opposition, bilan na yango yango, ce que les Congolais attendaient de l'UDPS à l'opposition, j'ai interpellé Augustin Kabuya. C'est vrai que yo moko lobaki na UDPS, makambuya suppléant moi na yo, suppléant moi si na yo, ezalité. C'est vrai. Mais les gens que vous laissez entourer Tshisekedi. Kabila a lobaki qu'il n'avait pas trouvé 15 personnes ya malamu ya pour travailler na bango. Mais les mêmes personnes qui entourent Tshisekedi, le bazabato bazala ki na Kabila. Si Kabila n'a pas trouvé 15 personnes, et bon, tu sais qu'il y a aux combien. Regardez comment ces gens se caractérisent. Malobanaye Nibino Lelo Yangoana. Les gens se caractérisent par les détournements. Les gens bloquent pour que tu sais qu'il dit ne puisse pas évoluer, pour que le peuple ne puisse pas se retrouver. Ces gens se battent pour leurs propres intérêts. Regardez les cas Mboso. Pourquoi Mboso a linga quitté bureau définitif et ça l'a installé? Nous sommes dans un état de guerre. Agressé. La diplomatie est sengeli, gouvernement est bima, ministre à cause de l'affaire étrangère a cédé le corps et âme, même si on a zali wana ali ko assimé les affaires courantes. Mais il faut qu'il y ait un gouvernement responsable qui va engager la République. Et pour que ce gouvernement puisse sortir, il faut qu'il y ait un bureau définitif de l'Assemblée nationale qui est installé. Mais moi, soit bloqué, en opoye moutoua bima qui candidat unique, il y a union sacrée. Et puis, Zambe Pemenga à la Kate. Vous allez me comprendre, le lot n'a pas sa bino petit traité. Tokéi n'a pas kabou. Mais Zambe à la Kate, regardez. Les enquêtes que nous avons menées font preuve, il y a 91 millions de dollars détournés. Et pas à Mboso. Nabat. Dans l'ensemble, ils ont détourné 1 milliard 100 millions de dollars américains. Nazo le bafranté. Parce que François Tolingi t'a converti au moins en dollars et au quita. Mais non, c'est un dollar américain. Le deux chambres et le parlement. Ils ont détourné 1 milliard 100 millions de francs congolais. Donc 1,1 milliard de dollars, dont 60% ont été utilisés par l'Assemblée nationale et 40% par le Sénat. Ces dépenses sont faites sans respect du circuit de la dépense publique. Le rejet et la méprise des règles légales et réglementaires de la comptabilité publique et des passations de marché public. Les deux institutions ont également acquis
sont également accusés d'avoir utilisé 303,3 millions sans respect des circuits et de la dépense publique. Le Sénat et l'Assemblée nationale sont aussi impliqués dans la fraude et enrichissement illicite, avec notamment l'achat de véhicules avec un dépassement de 1999,85%, sans oublier la dilapidation des fonds affectés au projet de construction de bureaux de commissions parlementaires, de dispensaires du Parlement et du dépôt des archives. Donc, lorsqu'on parle, il y a dépassement, il y a 1999 dépassements, te tia kayango, na pourcentage, il y a 100. Donc, sur 100%. Mais ici, au fin de bas, un dépassement, ils ont tenu 1999,85. Lorsque j'ai dit ces choses, c'est pour vous montrer que Maloba, on a l'oba qui n'a bino na émission ya lobby, et Zala qui pambati. Ces gens qui sont aux ces gens que vous voyez, les autorités morales de différents partis politiques. Mais l'homme Mbosondenga Azawana Azangasoni. J'ai posé la question de savoir qu'est-ce que Mbosso n'a pas donné à la République. Outa qui jeunesse na yewa a travaillé dans Mobutu, a travaillé dans Laurent Désiré Kabila, a travaillé dans Joseph Kabila, le long il est avec Tshisekedi, il veut se pérenniser au perchoir de l'Assemblée nationale. Makanisini ni asikambo soazali nango, o ya koya o sale la mboka, o azwa ki tante ya kousala, na bambula tout o ya zalaki, na pouvoir, na ba ancien président. Qu'est-ce que Bahati a, monsieur Maradona? Ici on parle de détournement sur 1 milliard. On dit 40% ont été détournés ou au Sénat. Et 60% et Zala qui détourné ou à l'Assemblée Assemblée nationale. Mes chers compatriotes, vous allez vous rendre compte que Mbosso a eu 90 millions de dollars pour somme à 26 bis, il y a 30 places assises. Imaginez. Imaginez. 90 millions de dollars pour 26 bis, il y a 30 places assises. Et c'est le même Mbosso Bundalelo Atika la Kaka en Assemblée nationale. C'est le même Mbosso Azo Bundabunda Azala Kawana. Moi j'ai demandé à Augustin Kabuya, pourquoi ne pas faire de Mbosso de l'UDPS? Pourquoi ne pas faire de Vital Kamerhe de l'UDPS? Parce qu'à l'UDPS, il y a la trême intellectuelle, mais ces jeunes sont dispatchés parce que vous ne le prenez pas en charge. Ces jeunes-là ne voient pas comment est-ce qu'ils peuvent évoluer en matière politique. Il y a des exemples que nous pouvons donner. Il y a Emani Dioko aujourd'hui, il fait preuve, il y a Moussa Lazali Koussala, c'est un jeune issu de l'UDPS. Vous avez le PCA de l'OGFRAM, monsieur Amissi Marco. Jeunes de l'UDPS. Vous avez des ministres issus de l'UDPS, des jeunes. Mais pourquoi vous voulez toujours que ces vieux-là, Baya, qu'est-ce que Kamerhe a de nouveau Oya Malunga, à Osalana, Mbokanabiso, Oya Sala quitté lorsqu'il était président de l'Assemblée nationale, n'a parti Oye Moko à Sala et à PPRD. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Qu'est-ce qu'il avait oublié de faire? Qu'est-ce qui est bon dans Oye tout Kamerhe Sal? Il était au ministère de l'économie. Qu'est-ce que Kamerhe a laissé comme des empreintes au niveau du ministère de l'économie? Pourquoi continuer à être avec les gens? Oye Moko Kabila Lubaki, que Bazala qui m'en a mouté, que nous n'étions pas capables. Il n'avait même pas 15. Ceux qui t'ont quitté, pas même 10. Ceux qui t'ont quitté, ils ne sont pas même 5. Mais ce sont les mêmes personnes qui entourent Tshisekedi. Des détournements, des détournements. Ah, si la Cour des comptes, les députés nationaux, ceux qui vous allument réellement les élus du peuple. Si vous êtes réellement les élus de la nation, vous devez nous dire et faire interpeller Mbosso, Alié Bissara Congomani, parce que cet argent, c'est l'argent du contribuable congolais. Ce n'est pas l'argent de sa poche qu'il a fait sortir. C'est l'argent que nous contribuons chaque jour en payant les impôts et les taxes. Mbosso doit dire à la nation, 90 millions à Koki Kosombe Lango 26 bis, il y a 30 places Ndengeni. Ata Binomoko. 26 bis, il y a 30 places, elles ont 90 millions. Et puis, nous allons côté Kamboso, à moi, à la licence du président et à bureau d'âge. Comment voulez-vous que les choses puissent évoluer dans ce pays?
C'est à chaque fois ce qui totalise les gens qui sont aux alentours de Tshisekedi, c'est des détournements. On a parlé de l'histoire de lampadaire, on a parlé de l'histoire de forage. Donc, comme il est là, la dette publique, il y a des détournements graves dans la construction et le centre financier. Alors, ce qui est au fond de la monoko, c'est que nous sommes là. Mais nous ne pouvons pas céder face à la pression et à la menace à Okangi Sabato lorsque on aura à dire la vérité. Nous devons nous sacrifier, nous la jeunesse, pour que le pays puisse avancer. Parce qu'à la ligne où vont les choses, vont tuer Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils nous ont amené, lorsque j'ai dit tuer, na lobina nenga oboma yanzo touté, d'une manière il y a gestion. Ndenge ba salakina Joseph Kabila, ba boma Kabila tina souka, ba mende ba yemba awa. Ata soki to sa l'élection na 2016, te, le ciel ne tombera pas sur la RDC. Ils ont encouragé Joseph Kabila à violer la constitution. Si Babomi Joseph Kabila politiquement, Kabila est parti et ils sont là encore avec Félix Tshisekedi. Ils amènent encore Félix Tshisekedi vers une mort politique. Est-ce que nous devons nous taire pour dire ces choses? On doit éveiller d'abord le dignitaire de l'UDPS. Est-ce que nous avons combattu pendant 37 ans contre mon amboso, un mobutiste, un kabiliste? D'ailleurs, il y a 3 ans, contre le FCC cash, Mbosso tombola qui pancarde pour dire ne touchez pas à Janine Mabunda. Cette conglomérat de voleurs, des anti-voleurs, ici de la classe politique, il y a Kabila, ils sont en train de voler encore sous le régime de Tshisekedi, sous l'œil impuissante, il y a ma dignitaire. Il y a UDPS. Ça nous fait mal de voir que des détournements sur détournements. Qui peut me citer quelqu'un qui a fait des œuvres au Kokende avantage à peuple congolais? Qui? Je mets qui attention. Aujourd'hui, on parle de la constitution. Le Congolais de la diaspora, dans le Bible, a changé de constitution parce que cette constitution bloque les chefs de l'État. Pourquoi? Parce que les institutions, le système politique de notre pays ne permet pas au président d'avoir tous les pouvoirs de sanctionner tous les autres pouvoirs qui sont dissociés ou soit séparés. Parce que Mbosso est à l'Assemblée nationale et que l'Assemblée nationale, la deuxième institution de la République, elle est un pouvoir séparé des autres. Ba komi lelo oyo Mbosso alo bandenge alingi lelo amoni ke ba député ba ye balingi ba benga ye ba benga na ye libanda aya bimisi calendrier électoral. Nous voulons même qu'avant qu'il y ait débat sur calendrier électoral et bureau définitif, gouvernement soki kobima après une année bimanango mais biso ba kangela biso Pepe Mbosso ba kangela biso Maradona na Sénat. 1,1 milliard, ce n'est pas de donc tozana na budget il y a 14 milliards. Na détournement au bino mi balé bo sali Maradona na Mbosso vieux pépé Mbosso na bino mi balé kaka 1,1 milliard. Écoutez, toza plus de 100 millions de Congolais avec un budget de 14 milliards, ce qui 15 milliards, mais bango mi balé va se partager 1,1 milliard. Donc vous êtes des super Congolais. Ça doit nous révolter, nous le peuple congolais, ça doit nous révolter. Mais comment toi tu es au pouvoir, tu critiques de telles choses? Donc, aux Alicola qui s'en va opposant que vous ne travaillez pas bien. Écoutez, à l'UDPS, Étienne Tshisekedi a émis sa mission. Sauf que Aliko Sepelana Likambouté ne soit pas hypocrite, il faut dire la vérité. Même lui-même, Étienne Tshisekedi, voulait que les gens puissent lui dire la vérité en face. Et voilà pourquoi nous disons la vérité en face. Et cela fait preuve que chez nous, à l'UDPS, il y a la démocratie et que chacun peut parler. Na ole ya zali ko kanisa na lolenge mboka ezali ko tambola. Le peuple attend le social. Qu'on se le dise. Na mboko ya ke de priorité. Priorité na mboko ya kanibale. Priorité à Liboso, c'est mettre fin à la guerre de l'Est. Deuxième priorité ezali ko silisana no makambo etali social ya population. Ce qui est bien comme il y a un peu de temps, à table changer la constitution 50 fois, il y a un peu de temps. Mais tant que le peuple a dit que Kinshasa a dit que c'est la réalité, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps,
Nama ya opiro ezala ki 100 francs. Le re komi 150. Qu'on n'en parle pas. Ça comme fufu ya ya nani ya makale ezala ki komi. Le re ezali komi. Et lorsque vous amenez les discours ya changement ya constitution, population ali komo na neti souffrance na ye ezali toujours ko se pérenniser. Et de cette manière là, je vous dis, nous aurons le premier opposant ya régime na biso, ça sera le peuple. Mais si vous regardez le projet que Tshisekedi a fait sortir, j'ai été en prison parce que j'ai défendu le plan national agricole. Oh, le 80 millions, il fallait qu'il va débourser yango pour passer dans le plan agricole national. Le ministre Papa Tito, Papa Tito, a proposé au ministre de l'Agriculture à l'époque, M. Biriaz, qui est le ministre des petites et moyennes entreprises, 40% à 80 millions. Un projet qui coûte 80 millions, parce que c'est toi le ministre des Finances. Et il fallait que M. Missolouana Ope, ça va exécuter le plan agricole. Le plan agricole, ça veut dire quoi? Ezala Massangu, Ezala Semoul, Ezala Manioc, Ezala tous ceux qui viennent de l'agriculture. Et Kobanda Kosa le Maïpa Nabiso la République démocratique du Congo. Et il y avait des sites agricoles, oh, les Alaki déjà ciblés par le gouvernement. Bon, on a financé, Kobanda Kosa la production agricole nationale. Mais n'est-ce pas le Koso la Musolo, on ne lui va pas payer 40%. Si le projet, on a les alliés exécutés. Je prends un deuxième cas. Le problème de forage. Kinshasa, les Arabici, comme ce soit, 21e siècle, les alliés Nabino. Ici à Kinshasa, la capitale, Maya Petu Zalakate. Tu sais qu'elle pense qu'il faut commettre au moins 1000 forages. Dans la localité, tout n'a pas fait fond, tout n'a pas mboka. Batien n'a pas tout maï, batou ba mela maïa kito. Bonjour, bon, 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 sir facturé. Bon, mais si nous avons 71 millions pour 200 quelques forages. Mais même malgré cette facturation, bon, ça n'est à Tambo Wango Ibimaki, bon, tiata plus de 100 forages et alités. Le peuple continue à souffrir. Lampadaire Koutou Tolobate, centre financier Tolobate. Bato va travailler dans la COVID, Zuba risque na bango pour travailler protéger la population. Si le monde na bango Ibimakate, mais vous sortez l'argent en mode d'urgence quand vous vous retrouvez là-dedans. Tolobate, Tolobate. Et ce peuple qui continue à souffrir, au quoi il y a un discours, il y a pour changer la constitution de l'Engéné. Vous allez amener le discours, il y a pour changer la constitution de l'Engéné. Avant de faire quelque chose, nous devons nous autocritiquer nous-mêmes d'abord, le pouvoir que nous avons. Aujourd'hui, je parle de Mbosso. Quel âge a papa Wana Mbosso? Il vous détourne 90 millions. Pour 26 bis, il y a 30 places. Bon, on a d'ailleurs, oui, Kindoki Moussou, c'est un kaka, Nabutu Okumbwaka. Moi, je pense que le salaire n'a du Assemblée nationale, les actes Kindoki Amounel, n'a jambo soana, tu détournes 90 millions. Au Tekani Namboula, bon, il peut vivre, n'a pas bon, on a. Au détriment, regardez d'abord le grand Bandung, mais pas Inabino. Vous avez eu des premiers ministres à chaque fois sous Joseph Kabila, vous avez un ministre, sous Mobutu, vous avez un premier ministre. Qu'est-ce que vous avez fait de cette province du grand Bandung? Monsieur Mbosso, j'ai été chez vous. Dans le moment de la campagne, il y a chef de l'État. C'est lamentable la situation dans laquelle nous avons trouvé la province du Nord, du grand Bandung. Et cet argent, vous en faites quoi? À votre âge, regardez un peu l'âge que vous avez. Et aujourd'hui, je peux même dire que cette dame du PPRD, oh non, le Benaki n'a perçoit que non, maman tika ko dérange nga awa to koutana na palé. Donc, Missolouana des millions, vous en prenez pour aller jouer avec des femmes. Pour vous amuser. Et on peut donner à Jean-Marc Kaboum la raison aujourd'hui de dire que c'est un régime de justice. Et tout ce qui donne la probabilité à tous ces gens-là de nous critiquer, c'est vous, le dignitaire de l'UDPS. Qu'est-ce que Auguste Kabouya, le Moi Djambita, le Peter Kazak, qu'est-ce que vous apportez comme idée à Félix Tshisekedi pour que nous puissions garder ce pouvoir le plus longtemps possible? Quelles sont les idées que vous amenez à Félix Tshisekedi? Est-ce de pérenniser le Vital Kamerhe? Regardez la honte du siècle. Le chef de l'État présente Vital Kamerhe à niveau de la France. Toute la salle crie Kamerhe Mouhibi. Quelle honte! Et ça se passe sous le régime Yabiso. Yabiso n'a pouvoir. Il dépense. Bato Mabondela qui 37 ans. L'état de droit. Non à la corruption.
Et tiens, dans le bas, moi, quelqu'un fait qu'on a Moïse. Mais maintenant, tu sais qu'il y a autant de l'an à Moutou. Oh, vous allez qu'on présente un peuple, peuple, la belle lié Moïse. Quelle honte, quelle disgrâce sur notre pouvoir. Nous crachons sur l'image de tiens, tu sais qu'il. Le peuple s'attendait que Nélo, la mère Mende pouvait dire quoi? La mère Mende a insulté les sphinx de l'humanité. Qui a oublié cette histoire de 2011? Mais ces gens-là sont aux alentours de Tshisekedi. Les gens, les Mende ont été nommés PCI à Mbokoyo, le régime de Tshisekedi. J'attends à tout le monde, le non, Mende, il faut avoir dans la communication. Alors, on dans la communication pour apporter quoi? Il doit être porte-parole du gouvernement pour apporter quoi? Sommes-nous en train de réfléchir politique ou sommes-nous en train de réfléchir l'argent que nous devons gagner dans ma poste au Bissotouzu? Mais le vide est imangaye. Alors, nous, qu'on annule l'élection à ma gouverneur. Pourquoi? Parce que Augustin Kabouya a dit à Top Congo qu'après ça qui va député Mituka. Il a raison. Il a raison de réclamer. Permettez-moi de le dire. Je ne m'oppose pas à Augustin Kabouya, mais je fais l'analyse objective de la situation politique de notre pays. Comment on peut imaginer que le monde passe au pouvoir, qu'on accuse le parti au pouvoir d'avoir corrompu ses propres députés. Imaginez-vous degré au Tokomeli Lilo. Imaginez-vous degré au parti Nabiso et Komeli Lilo. Et tout ça, c'est pourquoi on a donné l'accès facile na bato yo ba bomamboka, na bato ba travaille na Kabila, na bato ba drala bazalaka, na Mobutu. Le même système continue. Or, le peuple attendait de nous de réformes. Oh, et que ça a été tout changé, Makambu, la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi des choses doivent changer. Si nous critiquons de l'autre côté, il y a le genre aussi que nous devons encenser. J'ai parlé par exemple ici du cas Onatra. J'ai parlé dernièrement du cas Onatra. Le technicien, bah, il a eu un message, le peuple a réagi. Na Onatra makambali kotambo la malamute. Deuxième Martin Luko Sazali konyo kolabango. Mais moi j'ai mis quiconque au défi parce que nga na ya kande na ba soubassement na ba preuve. Mes chers compatriotes, Martin Lukusa a combien de mois de gestion na Onatra? Si je ne m'abuse pas, c'est entre 27 ou bien 25 mois, il y a gestion. Na gestion ya Martin Lukusa. A Koutaki, Mouto Azali, dernier gradé, dernier gradé plutôt, il touchait dans les 300 000 quelques. Le long, il touche au moins 700 quelques mille de francs congolais, le mois. J'ai parlé de l'histoire. Il y a réhabilitation, il y a ma maison, il y a Banda Koutou, il y a Onatra. Le long, avec les images en appui, on peut le prouver que c'est la seule personne. Depuis Onatra et Koufa, depuis qu'il est là, vous ne verrez jamais de marche, il y a un travailleur. Le vrai travailleur, Bazali Sima, il y a deuxième Martin Lukusa. Le vrai travailleur se retrouve dans le travail de Titan, Kaba, c'est déjà digne de lui de peste. Parce que moi, il y a eu de peste, à lui, Kosa, la fierté, il y a eu de peste par rapport à Bamoussous. Il n'est pas le seul. Je vais vous en citer d'autres. Mais je commence d'abord par là pour répondre aussi aux autres abonnés. Oh, il va tindre la division, ma message. Je vous ai dit ici, Joseph Kabila Zoba Pauvre Nabiso a commis ça en Goba, il y a ma privé à Tekela Moubat. Le seul directeur général, il y a Onatra, oh, il y a salué étude, il y a Biloko Yakuti, a dit qu'il faut commencer Naka Onatra. La seule personne qui a fait, qui a pensé à ça, c'est DG Martin Lukusa. Mais on a vu les gens, parce que Lukusa canalise les recettes
il y a Onatra. Comme il y a Onatra, chaque fin du mois, il y a mobilisé 5 millions de dollars. Hôtel pour ça, 5 millions, on a vu ce que tu as dit, Et quand nous mobilise les 5 millions, dans les 5 millions de dollars, il paye les dettes que les anciens deuxièmes Azoua qui pourront soutenir la candidature. Il y a Emmanuel Ramazani Shadary. Il est en train de payer les fonctionnaires. Et aujourd'hui, quand on me dit que les fonctionnaires ne sont pas payés, ou bien les agents, les travailleurs de l'ONATRA ne sont pas payés, je suis allé investiguer. Et j'ai trouvé que sur le 27 mois de deuxième Martin Lukusa, il n'y a que le paiement de 5 mois dans 2 ans. Mais le reste, les gens sont payés dans les 30 jours du mois. Et le combat qui est mené par un certain membre de l'UNC, comme parti Nabango Zayaba Mihib, l'idée Nabango Baoloni en France, Mouib, Yepé Alinga Yakoïba Naounatra, par rapport à la recette Zali canalisé le nom de banque, un digne fils de l'UDPS. Lorsque vous regardez, mes chers compatriotes, vous prenez aujourd'hui la DGI, Bonandi Mayabisibino Kenon. Les recettes ont été mobilisées à 104%. Il y a quelqu'un qui s'est donné corps et âme à DGI. La personne qui s'est donnée pour réformer d'abord la manière dont la DGI travaillait. Monsieur Bernabé Mouakadi, digne fils également de l'UDPS, qui mobilise l'argent au travers de la DGI. Bon, là, vous voyez qu'il y a budget et mati, budget et mati. Mais quels sont bah entreprise ou mobilisé ka ba recette ou matisi ba recette ya bidier na biso mais donc nani Bernabé Mouakadi azali na kati et le travail capable Bernabé Mouakadi qui mobilise aujourd'hui 104% na biso le azali kotala makambo ya l'état et vous allez voir certains ministres abayé des crocs en jambes malgré les difficultés il y a ministre à titaine par cloque en jambe, pour que le travail ne s'efface pas bien, M. Bernabé Mouakadi prouve aujourd'hui, au vu aussi de tout le monde, qu'avec la détermination, avec les leçons reçues de Tien Tshisekedi, oh, Ramoussous Bazuite, Bamiibio Bayoutou Koyiba Wanatangibino, yé, Azali capable, y'a qu'on redresser ma cam. Y'a quoi, vous allez, comme on en a déjà eu le lot, sauf qu'il y a eu un système Yakimoibi, vous allez trouver que tout est retracé. Nous sommes allés retracer. Balinga qui va manipuler ba chiffre awa na makambo etali ba plaque d'immatriculation. Ya ba mituka. Bolanda ki briefing moko ministre hier à lobby jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a ceci, tout cela il a voulu manipuler les chiffres. Mais à la DGI, tout est tracé. Il n'y a pas de détournement. L'IGF est venu, il a travaillé, il a compris que Bernabé Mouakadi est parmi les gens qui sont corrects et qui travaillent correctement. La même chose a été aussi du côté de l'ONATRA. Et on ne nous dit pas que tout est rose. Et c'est ce que nous avons dit. On ne nous dit pas que tout est rose, mais on dit que par rapport à Bissiko Bazuela qui est d'entreprise, il y a quand même l'avancée. Et pour avancer, on a essayé de travailler pour améliorer les conditions de vie, il y a travailleur pour améliorer nous salaires pour parce que notre budget a besoin Yakomata pour que le peuple congolais et surtout le social, le peuple d'abord puisse être effectif na misala na bango. Voilà un peu Oyona Yela Kibino dans la première partie Oyona Pesibino. Détournement à Bamboso, Babaati, Bakamere et les autres, c'est une honte. Pour nous, l'IDPS, je vous ai donné le cas de deux personnes où Bazaliko s'est distingué. Et lorsque j'ai dit Bazaliko s'est distingué, vous pouvez aller sur le terrain, vérifier, vous allez trouver que les informations sont réelles. Et c'est là que j'ai cité dans des détournements, vous le savez vous-même. Bapius Mabil Bangwana, ils ont été ministres à l'habitat. Mais immeuble quoi une ville a. Comme Koluka Mukolo, immeuble à on a été. Mais il y a un ministre à l'habitat aux Aliwana. Moi, on en a eu des GIA, l'entreprise publique. Donc, et là qu'on a bangé la famille, t'occupes-t-elle prochainement. Ciao.